La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Pentangle, analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM. Bienvenue dans Grand Angle, une émission hebdomadaire destinée à décrypter les dynamiques politiques, et économiques et sécuritaires qui façonnent l'Afrique d'aujourd'hui. Le numéro d'aujourd'hui est consacré au premier sommet Corée du Sud-Afrique. Il est intitulé Corée du Sud-Afrique, quel partenariat ? Pour en parler, il y a avec nous Moukhra Naitouarabi, notre confrère de la presse écrite. Nous pourrons éventuellement être rejoints au cours de l'émission par notre confrère tunisien Mourad Sellami qui interviendra en direct depuis Tunis. Alors, bonjour Moukhra Naitouarabi. Bonjour, bonjour aux auditeurs d'Ifriqiya FM. Merci pour l'invitation. Non, c'est nous qui vous remercions d'avoir honoré notre invitation. Merci d'accepter à chaque fois de nous accompagner dans nos émissions. Alors, Moukhra Naitouarabi, les travaux du premier sommet de Corée du Sud-Afrique s'ouvrent aujourd'hui à Séoul. Les participants discuteront de deux jours durant pour approfondir et développer des partenariats entre la Corée du Sud et le continent africain. Pour l'occasion, des délégations de 48 pays africains, dont l'Algérie, font le déplacement ainsi qu'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement. Un événement d'importance qui marque les nouvelles ambitions sud-coréennes sur le continent. Après avoir organisé plusieurs rencontres ces dernières années, ce sommet est l'occasion pour Séoul et le président Yoon Suk-yeol de passer à la vitesse supérieure dans leurs relations avec le continent. Quatrième économie d'Asie. Alors, cette quatrième économie d'Asie est très en retard par rapport à ses voisins chinois et japonais. Pour rattraper son retard et séduire les dirigeants africains, le pays compte miser sur son histoire unique, celle d'un pays colonisé à la croissance économique fulgurante. Alors, Moukhra Naitouarabi, commençons par la fin. Alors, pour légitimer son action en Afrique, vous l'avez sans doute relevé lors de ma présentation, Séoul a construit un narratif reposant sur deux piliers. Alors, le premier pilier, c'est que la Corée du Sud a été aussi colonisée, bon, par le Japon, tout le monde le sait. Alors, son histoire avec le continent est vierge de toute tâche et le pays dispose, à l'instar de Singapour et de Taïwan, d'un modèle de développement particulier qui a fait ses preuves. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Alors, pour ces raisons, la Corée du Sud souhaite proposer son modèle au continent africain en lui donnant notamment accès à ses savoir-faire et ses technologies. Alors, selon vous, Moukhra Naitouarabi, est-ce que ces arguments peuvent aujourd'hui séduire les Africains? C'est-à-dire, d'un côté, un pays qui a la même histoire coloniale, pratiquement, et en face, vous avez un pays qui a eu la même histoire coloniale, mais qui a réussi, qui a permis donc à la Corée du Sud de devenir une puissance économique. Est-ce que ces éléments de langage peuvent être opérants aujourd'hui ? Oui, je pense que effectivement, la Corée du Sud a construit un narratif assez intéressant parce que il n'y a pas de passé colonial, n'a pas de passé colonial avec l'Afrique, contrairement à toutes les autres puissances. Du moins la majorité des puissances qui courtisent l'Afrique et qui ont eu un passé parfois très douloureux. Oui. Donc effectivement, le narratif sud-coréen est très intéressant et je pense qu'il a déjà séduit en Afrique. Oui. La preuve qu'il y a eu quand même 48 pays qui participent à ce sommet. Si le premier sommet entre la Corée du Sud et l'Afrique est quand même 48 pays sur 55, c'est énorme. C'est énorme. Il est vrai que
les relations économiques entre l'Afrique et la Corée du Sud ne sont pas très développées. Les échanges commerciaux entre le continent africain et cette quatrième puissance justement d'Asie et la onzième puissance économique au niveau mondial ne représentent que 2%. Des échanges oui. commerciaux ne représentent que 2% de tous les échanges qu'effectuent le continent africain et la Corée du Sud avec le reste donc, du monde. Ce qui constitue quand même une portion pas importante. Les exportations sud-africaines vers l'Afrique aussi ne sont pas très importantes, mais il y a un grand intérêt ces dernières années pour l'Afrique et la Corée du Sud ne compte pas rester à l'écart de cette dynamique internationale qui vise justement l'Afrique. Oui. Merci Mokhlane Touarabi pour cette première intervention, pour cette analyse. Alors, je vais essayer de reposer la même question à notre confrère de Tunisie, Mourad Sellami. Bonjour. Bonjour. La bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est très gentil à vous aussi. Je profite de l'occasion pour saluer nos frères tunisiens et nos sœurs tunisiennes. Merci Mourad. Alors comme vous venez de l'entendre, donc la Corée du Sud, un peu pour prendre pied en Afrique, joue sur un certain nombre d'éléments de langage. Alors pour séduire les Africains, elle met en avant le fait que la Corée du Sud n'a colonisé personne, mais bien au contraire, c'est un pays qui a été colonisé et qui s'est construit dans la douleur et dans le sang. Est-ce que vous pensez que ce type d'éléments de langage sont de nature à séduire les Africains et à favoriser le développement des relations entre le continent et la République de Corée? Oui, en effet, je le pense vraiment, d'autant plus que qu'en ce moment, on sent une vague de rebellion par rapport aux vieux colons qu'on perçoit pertinemment en Afrique subsaharienne dans les derniers mouvements en Afrique subsaharienne par rapport à l'Union. Oui. Ce n'est pas uniquement là-bas que l'on perçoit cette tendance, on l'aperçoit même en Asie en ce moment, après l'annonce avortée avec le Fonds monétaire international de ces deux dernières années. Oui. Le pouvoir de Saïd a eu des difficultés et il a eu surtout des restrictions pour obtenir des fonds d'aide auprès du Fonds monétaire international. Donc, du coup, on cherche disons pour la Tunisie, mais je pense que cela est vrai aussi pour plusieurs pays africains. Oui. On cherche à avoir des partenaires qui ne soient pas exigeants et qui font mais ce n'est pas uniquement le fait qu'ils ne soient pas des colons, mais qu'ils ne soient pas aussi de nouveaux colons. En d'autres termes. Absolument. C'est ça l'idée. L'idée, c'est que l'on installe un nouveau genre de partenariat. Qui soit des partenariats gagnant-gagnant. Voilà, qu'il soit un partenariat gagnant-gagnant et qui pourrait par conséquent être bénéfique aussi bien pour l'un que pour l'autre. Oui. Oui. J'ai une autre remarque concernant cette Corée du Sud. Oui, oui. En Tunisie, on a régulièrement dit que en 1953, lors de la guerre du Corée, oui, oui. et juste à la fin de la guerre de Corée, on était pratiquement au même niveau de développement, sinon nous étions mieux développés que la Corée et en ce moment-là, on voit, comme vous venez de le dire, que la Corée est la 11e puissance mondiale. Oui, oui. Donc, cela fait certes un pincement de cœur, mais ça pourrait aussi nous pousser davantage à chercher à développer nos moyens et nos compétences. Oui, en effet, oui. Donc, je suis parfaitement d'accord sur cette approche pour expliquer
la présence de, comme vous venez de le dire, de 45 ou 46 pays africains à ce sommet. Très bien. Donc, selon Mokrana Itou Arabi et selon Mourad Sellemi, effectivement, le fait que l'Afrique et la Corée du Sud présentent pratiquement une histoire pas similaire, mais qui se ressemble quand même, donc peut effectivement contribuer à instaurer un rapport de confiance entre les deux partenaires. Mais Mokrana Itou Arabi, vous conviendrez que le fait que la République de Corée ne soit pas colonisée, le fait qu'elle ait une histoire qui ressemble à celle de l'Afrique, peut effectivement favoriser l'instauration de ce climat de confiance. Mais bon, il faut quand même des actions concrètes. Je pense que les Africains sont aussi aujourd'hui suffisamment pragmatiques, suffisamment conscients pour comprendre que les déclarations d'intention et l'histoire ne suffit pas aussi à réaliser de bonnes affaires. Oui, tout à fait. C'est pas la première fois. Les derniers sommets entre l'Afrique et des grandes puissances économiques ont été les chefs d'État qui ont participé ont été très clairs par rapport à ça, que ils ne croient plus aux simples promesses. Il faut des actes, il faut des investissements sérieux, il faut des partenariats gagnant-gagnant. Oui. Les peuples africains en ont marre d'être une vache à traire. Un continent qui va servir au développement du reste du monde et qui vit dans l'extrême pauvreté. Effectivement, oui. Les ressources naturelles dont regorge l'Afrique ont servi pendant des décennies, voire même plus de deux siècles au développement du monde occidental, oui. Mais n'ont jamais profité à leurs enfants. Donc aujourd'hui, effectivement, les pays africains sont exigeants là-dessus. Ils seront regardants sur les démarches et sur les propositions concrètes que va faire la Corée du Sud pour justement aider notamment l'Afrique à développer son industrie, notamment l'industrie de transformation. On aura oui, peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure justement. Je pense que lors de ce sommet, il y a eu quand même l'identification de quelques points justement. Oui. Justement, alors la Corée du Sud organise son premier sommet avec l'Afrique à un moment aussi où ce format existe depuis plusieurs années. Oui. Donc l'Afrique entretient des relations ou assiste à des sommets similaires avec l'Arabie Saoudite, avec la Chine, avec les États-Unis, avec la France, l'Italie, le Japon, Russie, la Turquie. Oui. Et donc tous ces pays ont mis la barre très haute. Oui. Donc il faudrait qu'aujourd'hui que la Corée puisse apporter un plus par rapport à tout ce qui est à l'offre qui est proposée à l'Afrique. Donc Mourad Sellemi, vous êtes toujours avec nous. Oui. Oui. Alors voilà, moi j'ai envie de poser une question naïve. Nous avons parlé de l'intention de la Corée du Sud, ses motivations. Nous avons parlé des éléments de langage qu'elle a mis en place pour essayer de séduire les Africains. Mais bon, la question des questions, c'est pourquoi cet intérêt subi, mais néanmoins tardif, convenons-le, de la Corée du Sud pour l'Afrique? Ben, à mon humble avis, c'est simple. La Corée du Sud comprend maintenant que si elle n'essaie pas d'avancer de ses propres moyens et de ses propres initiatives, on va lui laisser juste quelques restes de ce gâteau africain. Oui, c'est-à-dire, en ce moment, la Corée du Sud commence à raisonner pour elle-même. Oui. Quoique la logique que je suis en train de défendre n'est pas vraiment très défendable, entre guillemets, oui, pour la bonne raison que les mastodontes internationales sont devenues internationales, les grands groupes internationaux. Oui. C'est vrai qu'il y a des groupes à intérêt coréen, disons à majorité coréenne, oui, et c'est arracher ces morceaux propres à la Corée
pour obtenir une meilleure part à l'échelle internationale, c'est-à-dire dans la division internationale de travail, les grandes mastodontes coréennes cherchent à avoir des marchés à elles pour pouvoir s'imposer, pour pouvoir défendre leurs propres intérêts à l'échelle internationale. Je pense que c'est ça. Je reviens encore une fois à la Tunisie. Si la Corée arrive à implanter des usines coréennes en Tunisie, proche de l'Europe, au nord de l'Afrique, un bel accès à l'Afrique, aérien, une logique merci. Si elle voit qu'il y a de l'intérêt derrière et elle place des fonds derrière, tout le monde peut sortir gagnant-gagnant. Effectivement, d'ailleurs, le Premier ministre tunisien est actuellement à Séoul. Il assiste aux travaux du premier sommet entre la Corée du Sud et l'Afrique. Oui, en effet. Donc, je pense que si chacun fait son propre sommet, ces puissances que vous avez nommées ont fait des sommets, c'est qu'elles veulent identifier leurs propres intérêts pour pouvoir négocier un meilleur à l'échelle internationale. Oui. Je pense que c'est cette approche-là que ces puissances défendent et que l'Afrique, bien sûr, a tout l'intérêt de saisir et d'obtenir le meilleur rendement possible de son emplacement, de ses matières premières, de ses postes en emplacement stratégique, etc. Il me semble que c'est logique que les Coréens pensent de la sorte, mais c'est aussi logique que les Africains essaient de sortir de ce statut colonisé vache à traire, etc. Et de tirer le maximum de ces partenariats. Oui, et de tirer le maximum de ce partenariat, exactement. Merci, Mourad Selami. Mourad et Ouarabi, comme vient de le dire Mourad Selami, notre confrère qui intervient en direct depuis Tunis, il explique que l'Afrique est un passage obligé pour la Corée du Sud, si elle veut, tenir tête à ses concurrents économiques. Donc je rappelle brièvement que la Corée du Sud, c'est la 4e économie d'Asie, la 11e dans le monde. Et il apparaît que le développement des affaires avec l'Afrique c'est une option importante pour la Corée du Sud. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Oui. Je me suis un peu documenté pour les besoins de l'émission. Actuellement, l'économie sud-coréenne est un peu morose. Sans les ressources minières du continent nécessaires aux batteries semi-conducteurs de Samsung, LG Electronics, auront de sérieuses difficultés à produire, ce qui aurait des conséquences majeures sur l'économie sud-coréenne. Donc aujourd'hui, il y a vraisemblablement une prise de conscience très forte en Corée du Sud sur la nécessité d'aller en Afrique et, comme dit notre confrère Mourad Selami de Tunisie, d'essayer de se faire une place qui peut lui permettre de rester compétitif à l'échelle internationale. Tout à fait. Donc l'Afrique n'est pas une option parmi d'autres, c'est une option vitale. C'est vital, tout à fait. La Corée du Sud est restée longtemps dans un carcan qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui, avec des fournisseurs traditionnels avec lesquels elle a gardé, donc qui sont essentiellement la Chine, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne. Et l'Arabie Saoudite en énergie. Et vous avez aussi des partenaires vers lesquels elle exporte c'est l'essentiel de sa production manufacturière, industrielle et agricole. Qui sont pratiquement les mêmes aujourd'hui. Il y a un nouveau contexte. Une diplomatie qui est restée très concentrée sur la région Asie. Oui, parce que vous avez le Japon.
Et puis il y a le conflit avec le Nord aussi. Et il y a le Vietnam. Oui. Voilà, c'est les principaux partenaires économiques de la région. Oui. Ces dernières années, avec la nouvelle politique de la Chine qui impose des restrictions sur l'exportation de certains métaux critiques, il faut juste entre parenthèses dire que la Corée du Sud, contrairement à son statut de 11e puissance, et d'ailleurs c'est un miracle, on l'appelle miracle sud-coréen, est un pays très pauvre en ressources naturelles. Est un pays pauvre même en terres arables. C'est 5% du territoire sud-coréen qui est constitué de plaines. 75% du reste, c'est des montagnes accidentées qui ne sont pas adaptées ni à l'industrie, ni à l'agriculture. Voilà, donc elle a besoin de diversifier ses partenaires parce que la Chine, sachant que la Corée du Sud dépend à 95% des importations de minéraux, de métaux critiques qui sont essentiels au maintien de son industrie et à son développement. Aujourd'hui, elle est contrainte, vu les restrictions imposées et la concurrence par rapport à ces matières premières essentielles, notamment pour l'industrie manufacturière de haute technologie, dont la Corée du Sud est un acteur majeur. A besoin de diversifier, donc d'aller vers ce continent africain qui regorge de ses ressources. On peut citer cobalt, on peut citer platine, graphite et plein d'autres minerais très importants pour l'industrie sud-coréenne. Donc aujourd'hui, la Corée du Sud propose sa façon de voir quand on voit les principaux points identifiés pour le partenariat stratégique entre l'Afrique et la Corée du Sud. Il y a l'énergie. Oui, je crois qu'il y a 7 points. Il y a les infrastructures parce que le continent africain manque terriblement d'infrastructures et la Corée du Sud a montré ses capacités justement dans ce domaine. Oui, les routes, les chemins présente, de fer, etc. Tout à fait. Il y a aussi les domaines excelle la Corée du Sud, c'est les TIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. La haute technologie aussi. Voilà, l'intelligence artificielle avec les grands groupes, les fameux Chibolts qui ont fait justement de l'Afrique, de la Corée du Sud ce qu'elle est aujourd'hui. Elle a besoin de ressources naturelles. Et la Corée du Sud, je pense l'Afrique attend de la Corée du Sud quelque chose d'extrêmement important, à savoir d'aller vers la transformation, l'industrie de la transformation. C'est une revendication importante de beaucoup de pays africains. Ils estiment qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça à fournir les matières premières à d'autres puissances économiques qui vont les transformer chez eux et qui vont les revendre sur le marché africain avec une plus-value qui ne profite pas aux Africains, mais qui profite aux pays industrialisés. Aujourd'hui, il est question d'inverser cette tendance, de faire de l'Afrique aussi un pays de transformation de matières premières, donc de ramener ces géants économiques en Afrique pour qu'ils fassent la transformation en Afrique au lieu de l'envoyer à l'état brut et de la renvoyer avec des plus-values. Voilà. Donc, je pense que la Corée du Sud sera justement interpellée par rapport à cette question et extrêmement importante. Et je crois que la Chine avait été interpellée aussi par les Africains. Un exemple par rapport à cette transformation. Vous savez que l'Afrique produit 75% du cacao qui est envoyé à l'étranger, transformé et qui revient. Les agriculteurs africains ne reçoivent que à peine 5% des recettes des 120 milliards de l'industrie de chocolat dans le monde. Idem pour, par exemple, on peut citer aussi d'autres produits. L'or, l'Afrique du Sud, l'Afrique est un continent riche en or et sur les 300 milliards de dollars produits en or en Afrique, il y a que 4% qui va vers les pays africains. Voilà, il y a une injustice quand même par rapport à ça. Oui. Merci, Mpranet Ouarabi, pour tous ces chiffres qui sont extrêmement intéressants et qui soulignent justement avec gravité l'importance des enjeux qui se posent à l'Afrique. Mourad Selami, est-ce que vous êtes toujours avec nous?
Ouais, bien sûr. Ah, très bien. Parce que j'avais craint que nous vous avions perdu en cours de route. Alors bon, je rappelle à nos auditeurs et à nos auditrices que vous êtes en direct depuis Tunis, que vous êtes un journaliste au long cours qui s'intéresse énormément à l'Afrique. Vous avez parcouru beaucoup de pays africains. Vous connaissez particulièrement le Sahel. Alors, Mourad Sellami, un peu dans le prolongement de ce que vient de dire Mokrana Itouarabi, en quoi la Corée du Sud peut être utile pour l'Afrique? Alors, on le voit au plan philosophique, au plan idéologique, etc. La Corée du Sud fait un peu de néo-panafricanisme, donc surtout c'est un vent qui souffle un peu actuellement sur certaines régions africaines. On est dans une forme de néo-panafricanisme, de néo-souverainisme, mais au-delà des idées, des idéologies, concrètement, qu'est-ce que la Corée du Sud peut apporter à notre continent? Sur quoi les Africains devraient le plus insister lors de ce sommet qui s'est ouvert aujourd'hui à Séoul? Les soucis des Africains ne sont pas spécifiques à la Corée. Oui. Lorsque des Russes viennent, des Chinois viennent, font un sommet des Russes, des Chinois, voire rien, Oui. à l'exception que les Européens sont les anciens colons, mais si on parle de Russes ou de Chinois, c'est un peu dans la même gamme que les Coréens. Oui. Peut-être que les Coréens ont en plus cet aspect de technologie de pointe plus nuancé, plus intelligence artificielle, de technologie de pointe en général, la technologie de pointe en général. Oui. Mais si la Corée du Sud, qui peut le plus, peut le moins, si la Corée du Sud pourra proposer en termes d'intelligence artificielle, donc pas agir dans le Oui. sens de permettre à l'Afrique de faire ce qu'elle veut faire en termes d'infrastructures, en termes Oui. d'usines, de manufactures, etc., en exploitant cette technologie de pointe, cette intelligence artificielle coréenne. Oui. Moi, je pense, par ailleurs, que les Coréens, puisqu'ils sont en difficulté, et puisque la difficulté provient aussi bien de la hausse des cours des matières premières à l'échelle internationale Oui. que de la rareté des marchés en termes de concurrence plus ou moins poussée sur les marchés pour obtenir des parts de marché. Elle va vers un continent vierge. La Corée va vers un continent, disons, pas tout à fait vierge, où il y a de la concurrence, Et elle, mais justement, l'intérêt de la Corée pour l'Afrique intervient dans un contexte de grande rivalité entre les grandes puissances concernant l'Afrique. oui, donc c'est la raison pour laquelle, et puisqu'elle est elle aussi en difficulté dans cette concurrence, vous venez de dire que ces mastodontes sont en difficulté à l'échelle internationale. Si on parle de difficulté, c'est-à-dire Oui, si elles oui, obtiennent, si elles parviennent à obtenir des matières premières sur place, oui. à aider à les extraire, à aider à les exploiter. Et en contrepartie, elle installe des usines, Oui. Oui, elle émet des fonds, elle met des fonds pour installer des usines sur place, etc. Ça, c'est un véritable partenariat gagnant-gagnant. Ça, c'est un partenariat où ils obtiennent à de très bons prix ces matières premières, et en Oui. contrepartie, l'Afrique obtient des usines, obtient de parvient à industrialiser le pays, à développer Oui. le pays, et ainsi, ça deviendrait un partenariat gagnant-gagnant. Oui. Parce que si on ne met pas la barre, on n'ose pas la barre, on va pas obtenir. C'est Oui. un peu comme une usine en difficulté. Si on ne trouve pas un partenaire pour investir davantage, pour améliorer les ratios de l'entreprise. Oui. Donc, je pense que
la Corée a intérêt à se placer, à s'implanter en Afrique, à s'implanter davantage en Afrique. Oui. La contribution des Africains, c'est cette matière première, ces ressources humaines qui sont en train de développer même en termes de ressources humaines leur intelligence, etc. On a ça et la Corée vient avec ses fonds et sa technologie de pointe et on pourrait obtenir, je pense qu'on pourrait envisager, disons, un bon résultat. Oui, merci Mourad Sellami. Il nous reste encore, disons, 5 bonnes minutes. Donc, nous pouvons encore débattre de certains aspects de cette relation entre la Corée du Sud et l'Afrique. Mourad et Arabi, bon, mais reconnaissons quand même que les Coréens en Afrique, bon, ils disent qu'ils ne sont pas dans une logique prédatrice, ils disent qu'ils sont sensibles à notre histoire, aux douleurs, aux souffrances de l'Afrique, et qu'ils respectent cette douleur parce qu'ils l'ont vécue aussi. Donc ça, les Africains sont sensibles à ces éléments de langage. Par ailleurs, les Sud-Coréens bénéficient d'un préjugé favorable en Afrique. Donc, l'histoire entre l'Afrique et la Corée du Sud remonte quand même aux années 50. Donc, depuis les années 50, ils ont été plutôt discrets. Ils ne se sont pas distingués par des actions condamnables. L'intérêt pour l'Afrique n'était pas très fort. La Corée du Sud s'est toujours focalisée sur sa région de prédilection, c'est-à-dire l'Asie, le Japon. Il y a le conflit avec la Corée du Nord, il y a la Chine, il y a des enjeux particuliers dans cette région-là. Et ce n'est qu'en 2006... Bon, il y a eu des visites de responsables depuis les années 50 jusqu'aux années 90, mais cet intérêt pour l'Afrique ne s'est réellement manifesté qu'en 2006. D'ailleurs, en 2006, le président de l'époque sud-coréen de l'époque a fait l'Égypte, a fait l'Algérie, a fait le Nigeria, je crois qu'il a fait le Ghana aussi. Et donc, depuis 2006, cet intérêt n'a cessé de croître, mais comme vous l'avez dit en début d'émission, bon, c'est vrai qu'en termes d'échanges, c'est 20 milliards de dollars. Bon, par rapport aux échanges entre la Chine et l'Afrique, c'est très loin. L'aide au développement, c'est pas important non plus, c'est à peine 20%, alors que tout le reste profite aux pays d'Asie. En termes d'investissement, c'est 9 milliards de dollars en 2023. C'est pas... Donc aujourd'hui, si la Corée du Sud veut devenir un acteur agissant en Afrique, il va falloir quand même qu'elle fasse beaucoup plus que ça. Et encore, je précise que globalement, la Corée du Sud a une bonne image en Afrique, hein, non, n'est-ce pas, Mourad Sellami? Tout à fait. Une bonne image qu'elle essaie justement d'utiliser pour développer cette relation. Il y a eu déjà des signaux, de bons signaux qui ont été envoyés par la Corée du Sud en 2023, en été oui. 2023, juillet plus exactement 2023. La Corée du Sud a lancé un vaste programme en Afrique, donc beaucoup plus en Afrique de l'Ouest, oui. Qui vise justement à faire profiter 8 pays africains de son expérience en matière de développement de la riziculture. Oui. Ils viennent de lancer une initiative qui s'appelle la ceinture de riz. Je parle de ça justement, voilà, elle a été lancée en juillet Rice 2023. Belt. Donc Rice Belt, c'est un investissement de 80 millions de dollars qui vise oui. justement à renforcer les capacités de production de 8 pays africains oui. en riz, qui est un aliment assez important pour les populations de ces pays. Donc, sachant que les pays africains, l'Afrique, d'une manière générale, dépensent 6 milliards de dollars par an pour importer oui, du riz. Oui, oui. C'est 90 millions de tonnes par an. Donc, c'est énorme. Et le but de cette initiative qui s'étale sur 4 années, qui pourrait être prolongée, oui. Était justement de renforcer les capacités de production locale en utilisant des techniques qui ont été approuvé en Corée du Sud. Donc ils sont vraiment dans le partage. Quand ils voilà. disent oui, nous sommes prêts à partager nos technologies, notre savoir-faire. Dans ce cas-là, ils sont en train de faire le transfert technologique. Oui. D'ailleurs, la Guinée parole. Qui bénéficie de ça oui. est sur le point de devenir. Il est déjà le deuxième producteur de riz oui. cette année en Afrique. Oui. Et d'ailleurs aussi, les Sud-Coréens sont ici en Algérie. Ils aident aussi à développer certains.
certaines cultures. Tout à fait. Au fait, cette relation peut être bénéfique si elle se repose sur de bonnes bases, s'il y a de bonnes intentions. Il y a une complémentarité entre l'Afrique et la Corée du Sud. La Corée du Sud a dû développer des techniques très sophistiquées pour développer son agriculture parce que c'est un pays qui dépend énormément de l'extérieur. Et ces techniques peuvent profiter justement à l'Afrique qui cherche la sécurité alimentaire, par exemple. Merci beaucoup, Mkolan Etouarabi. Nous avons pratiquement épuisé tout le temps imparti à l'émission. Nous avons, je crois, juste le temps de dire au revoir à notre confrère de Tunisie, Mourad Sillami. Vous êtes avec nous? Oui, au revoir et merci beaucoup pour... Merci d'avoir eu la gentillesse d'accepter notre invitation. Nous avons encore plein de questions concernant la Corée du Sud. Malheureusement, nous ne pouvons pas toutes les poser aujourd'hui. Il va falloir qu'on consacre une nouvelle émission à la question. Mais je crois qu'on va y revenir parce que il faudra attendre les résultats du sommet et je pense qu'il y aura matière à analyse et à commentaire. Donc, Mourad Sillami, attendez-vous à une nouvelle invitation d'Ifriqiya FM. Avec plaisir. Alors chers amis auditeurs, il ne nous reste pratiquement plus aucune seconde, donc juste le temps de vous dire au revoir. C'était donc le mot de la fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Grand Angle. Je rappelle que nous avions depuis Tunis Mourad Sillami, à partir d'Alger notre ami et confrère Mkolan Etouarabi. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application Play Store. Alors, cette émission a été préparée et présentée par Zine Chafaoui, réalisée par Khaled et à la console technique. Et il y avait Abdou. Bon courage et à la prochaine.